On a deux matchs à domicile en 4 jours là, donc va falloir le prendre le plus de points possible et ça commence demain soir. On va dire que c'est un match bonus à jouer parce que personne va jouer et nous il y aura 3 points à prendre. On va essayer de prendre les 3 points demain soir contre Tours, mais ça va pas être facile parce que si j'ai entendu qu'ils avaient changé de coach durant ces jours-ci là. On sait que quand une équipe change de coach, tout le monde, toutes les cartes sont redistribuées, donc tous les joueurs vont pouvoir prétendre à jouer demain, je pense. C'est toujours embêtant pour une équipe de recevoir une autre équipe qui vient de changer d'entraîneur parce qu'il y a toujours un petit levier psychologique qui va être activé et ça peut être dangereux pour nous. Je trouve qu'offensivement, c'est une équipe qui est vraiment, vraiment intéressante. Après, c'est une équipe qui prend pas mal de buts. C'est vrai que c'est un peu le talon d'Achille de cette équipe. Le sport de haut niveau, il faut se remettre en question à chaque match. Chaque match est différent. Encore une fois, on va rencontrer une équipe qui vient d'être piquée. Je m'attends quand même à une réaction d'orgueil de leur part. Et forcément, c'est ce qui va nous poser problème, peut-être. J'espère qu'on sera à la hauteur pour rivaliser avec cette équipe-là, voilà, tout simplement. Mais il va falloir qu'on se mette au niveau mental où cette équipe va être. Voilà.